tu es animateur socioculturel au Cégep depuis au moins 25 ans. C'est un travail qui te passionne, c'est évident. Qu'est-ce que ça t'apporte de côtoyer des étudiants jour après jour? Comme un humoriste disait, Michel Barrette, 25 ans minimum. Non, mais qu'est-ce que ça m'apporte? C'est sûr que tout le monde dit ça m'apporte la jeunesse, on rajeunit, et etc. Oui, c'est vrai. Mais par contre, moi, je donne la place aux jeunes qui arrivent ici, il y a 17 ans, 16 ans, puis il y a peu d'expérience. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous permet de lui montrer les expériences, les étapes de la vie un petit peu. Comme moi, c'est au culturel, donc que ce soit les implications artistiques, scientifiques, radio ou autres. Donc, ça m'apporte la chance de travailler et de lui montrer les... De lui apprendre les étapes, exemple, pour organiser un événement, par exemple. C'est en plein ça. Puis, peut-être même faire les premiers pas sur scène, puis être un bon moment donné chanteur ou chanteuse. Qui sait? Ouais. Qui sait? On ne sait pas. Parmi tous ceux que tu as rencontrés, que tu as côtoyés, avec qui tu as eu la chance de collaborer ou de travailler, il y a sûrement des étudiants ou des étudiantes qui t'ont marqué particulièrement. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns? Bien, dans ma carrière, c'est sûr qu'après 25 ans, il y a une liste importante. Si on prend un papier et un crayon, mon Mathieu, ah oui. On peut dire Roger Parent et Serge Parent. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, les frères Parent. Non, vas-y. Dans les années 1983-84, en théâtre, on avait une finale régionale à Gaspé. Je pense qu'il était 14 sur scène avec décor. Il y avait un minibus, il y avait un camion à 18 pieds de long. Puis heureusement ou malheureusement, on a gagné la régionale et on est allé au Cégep du Vieux-Montréal. Double dépense. Mais en tout cas, c'est, pour les frères Parent, c'est ça. Pour la finale nationale de Cégep en spectacle. C'est ça. Okay. Il y a Lisiane Tremblay qui a passé, qui marque encore avec sa voix de... d'opéra. Martin Choquette en théâtre, moi je pourrais appeler les 3M avec Maxime Pelletier et Mathieu Lippé dans cette époque. Puis ça, c'est des gens qui ont marqué beaucoup, beaucoup. Chloé Pelgag qui a quitté il y a quelques années. Il y a Marie-Lie qui a quitté aussi il y a peut-être 4-5 ans. Et Sophie qui a gagné Star Academy l'an passé. Et tous ceux et celles qui ont performé puis qui ont... ils ont donné leur 100%, leur 200 pour en arriver, pour faire une vedette peut-être inconnue, là, mais tous ceux qui ont remporté, en tout cas, je lève un bel chapeau. Et c'est pour te dire qu'on est un cégep de stars, fait que c'est bien marqué. Après autant d'années, tu consacres encore plusieurs fins de semaine à accompagner les étudiants un peu partout au Québec, de Gatineau à Baie-Comeau, pour différentes activités. Est-ce que tu peux nous nommer quelques exemples d'activités pour lesquelles tu accompagnes les étudiants? Mon doux, Mathieu, qu'est-ce que j'ai dans le cou, là? C'est des backstage, donc des passes arrière. Ben oui. Donc ça, c'est des passes que les différents organisateurs nous donnent quand on va dans des expositions d'art plastique, en théâtre, Science on tourne, finale régionale de cégep en voie spectacle ou autre. Là. Donc, c'est tout ça qui fait que... Et même, il y en a une belle ici, et Sophie, etc. Mais c'est ça. Donc, on accompagne non seulement dans les concours, mais aussi dans les parties récréative. Okay. S'il y a un voyage à quelque part, un match de hockey ou autre. Là. Puisqu'il le faut. Il faut le côté ingrat du métier. Au fil des années, Louis, tu as organisé tellement d'activités qui t'est forcément arrivé des histoires complètement folles. Quelle est l'anecdote la plus éclatée que tu peux nous raconter aujourd'hui, Louis? Il y en a après 31 ans, là. Il y a, à une certaine époque, il y avait des Ristal Forum,
Restait le forum, on accueillait comme des chanteurs, des poètes comme Charles Lebois, Ferland. Et j'ai eu le privilège de visiter avec Jean-Pierre un centre équestre. Il y a un centre équestre. C'est un passionné de chevaux. Mais oui, c'est ça. Puis il voulait voir une race en particulier, les Canadiennes. OK. Court sur pattes. Mm-hmm. Il m'a dit, Louis, il dit, je voudrais aller visiter le centre équestre. Fait que j'ai dit, ouais, mon Dieu, un privilège. Oui. Fait qu'on s'est déplacé, puis j'ai amené Jean-Pierre au centre équestre. Il y a Charles Lebois aussi, ça, je vais m'en souvenir. Rester à le forum encore une autre fois, lors de la journée des enseignants, la journée mondiale, nationale. Puis, on l'avait accueilli le midi. Et en soirée, j'avais organisé un 5 à 7 pour les professeurs. Okay. Puis, j'avais demandé le midi à Charlebois de venir faire un tour au 5 à 7 et nous présenter les produits de sa bière, ben oui, très populaire. Ben oui. Fait que il était venu, puis il nous a raconté l'historique, la première bière. Puis lui, il était content quand que la palette de bière arrivait en Chine. Fait que pour lui, c'était un rentable. C'était le fun. Des anecdotes aussi. À une certaine époque, j'organisais des voyages à Montréal pour aller voir des studios de télé et des émissions. Mm-hmm. Et à un moment donné, il y avait La Fureur avec un Véronique. Mm-hmm. Et on était, je pense, 45 étudiants. Puis, il y a un étudiant de l'Apocatière qui est assis juste à côté de moi puis qui a gagné 5000 piastres d'ameublement là, à Montréal. Là, c'était comme ça. Wow. Oui, c'est ça. Et le numéro gagnant, du cégep de l'Apocatière, tout. Non, c'est le fun. C'est une belle pub. Ben oui. Puis, c'est ça. Donc, il y a, après ça, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ça, c'était un bon coup. Dans les années 90, j'ai fait un spectacle et j'ai regroupé tous les gagnants de la finale nationale de cégep en spectacle des 10 dernières années. Donc, on a eu un beau spectacle. Des idées, ça aussi. Très bien. Wow, ben c'est des belles rencontres. Ouais. Puis bien d'autres. Bien d'autres qu'on a eu. Louis, merci beaucoup. Merci, Mathieu. La, la, la.